Écoutez, bonjour d'abord. Je vous ai déjà dit de ne plus appeler. Comment? Vous n'écoutez pas, hein? N'appelez plus. La raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, c'est que, voilà, je sais que je dis toujours que la manière dont les gens doivent utiliser les produits, il faut que les produits soient achetés chez moi pour que je vous dise exactement comment utiliser. Ne vous inquiétez pas pour mes couleurs, hein, je ne suis pas une fashion victime. Donc, cette vidéo, c'est parce que quand je dis qu'il faut que les gens achètent des produits chez moi pour que je leur dise comment utiliser exactement, je peux aussi comprendre que pour certaines personnes, ça peut sembler être très compliqué, surtout pour les gens qui sont en Afrique, parce que, par exemple, pour envoyer le colis ou bien pour expédier de l'argent, ça coûte tellement cher. Un petit produit comme ça peut venir carrément super, super, super cher. Alors, dans ces conditions, quand même, je leur suggère de trouver le produit et puis moi, je vais les aider quand même à les utiliser. Hein? Alors, j'ai demandé à quelqu'un de trouver les produits. Donc, elle est partie trouver le 55H+. Elle m'a envoyé les photos. Donc, on va regarder la vidéo ensemble et je vais vous dire exactement pourquoi je pense que ce n'est pas du bon. Donc, voilà trois produits. Ici, vous avez l'image officielle que le fabricant lui-même propose. Donc, on peut dire ça, c'est l'image officielle du produit. Et ça, c'est l'image qui m'a été envoyée. Et quand j'ai regardé cette image, je me suis dit tout de suite quelque chose de cloche sur la bouteille. Et j'ai demandé qu'on me filme. C'est parce que ça, c'est celui que moi, j'ai dans mon stock. Donc, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, c'est celui que moi, j'ai dans mon stock ici. Voilà, c'est mon stock du Cameroun. Donc, on m'a filmé ça et j'ai tout de suite compris ce qui n'allait pas. Parce que, regardez, vous pouvez déjà comparer. Ici, c'est écrit nouvelle formule et il n'y a rien. Bon, voilà. Et puis ici, regardez la forme ici et regardez la forme ici. Vous pouvez voir ici que ici, c'est écrit laboratoire Pharma Plus. Ici, il n'y a rien. Je ne vais même pas comparer avec ça parce que ça, c'est identique à ça. Mais comme l'image était un peu floue, donc vous voyez bien que c'est pratiquement identique, les deux bouteilles. Et ici, il manque des informations. Donc, voilà, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, bah, tiens, il y a un problème. Et voilà, on retourne. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller trop loin. Vraiment, ça, c'est la plus... Ça, c'est la vidéo la plus courte que j'ai pu faire pour montrer comment un produit peut être aussi contrefait. Et voilà, je vais vous en donner les raisons. Parce que là, c'est d'autres raisons plutôt par rapport à ce qu'on a souvent l'habitude d'entendre. Je voudrais également rappeler que je comprends que pour les personnes qui sont en Afrique, par exemple, c'est très difficile d'avoir de bons produits. C'est très difficile d'avoir des produits authentiques. Alors, je suis en train de chercher une solution pour pouvoir... mettre à disponibilité les produits au niveau de l'Afrique. C'est pas du tout évident, mais j'y travaille et j'espère que très bientôt je vais vous proposer une solution. Donc on reste juste à l'écoute. Ok, allez, on retourne pour la suite. Donc en fait, je pense que c'est faux pour la simple raison que j'ai commencé à commercialiser ce produit depuis 2012, je crois. Donc, ça fait pratiquement 5 ans. Donc, nous sommes en 2017, 2012. Et ça a toujours été cette formule avec ces écrits. Donc, ça veut dire que même si ce produit était l'ancienne formule, ça veut dire que ça fait 5 ans que ce lait est sur le marché. Un produit cosmétique ne peut pas avoir une durée aussi longue. Vous comprenez un peu. Donc, ça doit être périmé. Soit ce n'est pas du tout le bon lait qui est à l'intérieur. Donc voilà la véritable raison pour laquelle je pense que ce produit n'est pas du tout bon. Et voilà, donc soyez plus vigilants. Le faux, ça peut se déterminer de plusieurs façons. Comme par exemple dans ce cas, ça veut juste dire que soit ce lait est périmé, soit ce n'est pas du 55H+ à l'intérieur. Parce que la nouvelle formule, elle est sur le marché même depuis avant 2012. Parce que moi j'ai commencé à commercialiser ça en 2012 et c'était déjà... la formule que je vous présente toujours. Donc, faites très attention, faites très attention et faites très attention. D'accord ?